Professeur de médecine, spécialiste de l'hygiène et des infections, il a été fait commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. C'est grâce à lui qu'on n'arrête pas de se laver les mains actuellement. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Didier Pittet. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Merci d'avoir accepté de revenir dans notre émission. Vous étiez déjà là il y a un mois. Est-ce que début mars, vous vous attendiez à ce que la Suisse soit secouée pareillement en seulement 4 semaines? Alors non, mais on s'attendait à ce que quelque chose se passe, puisqu'on avait vu ce qui s'était passé en Chine, ce qui s'est passé en Italie. Mmh. Et c'est sûr que c'est toujours une sacrée surprise. Si je Ici en Suisse, qu'est-ce qui vous a étonné? Peut-être dans le comportement des Suisses, dans les mesures? Ce qui nous a étonné, c'est que quand même, les Suisses ont été au départ très peu disciplinés finalement avec les premières mesures quand elles ont été mises en route. Ouais. Par contre, ensuite, à partir du moment où on a eu ce confinement semi-total. Ouais. Je dois dire que les Suisses ont bien suivi les consignes et ça, c'est un vrai plus par rapport à la lutte contre cette épidémie. Le nombre officiel d'infections est actuellement d'environ 25 000 en Suisse, mais certains experts estiment que le chiffre réel est 10 fois plus important. Est-ce que vous partagez cette analyse qui donnerait un taux de mortalité de moins d'un demi-pourcent, si on parlait de 200 000 personnes ? Tout à fait. Oui, tout à fait. On peut penser 200, 300 000, peut-être même 400 000 personnes en Suisse. Mm-hmm. Et comment est-ce qu'on peut l'évaluer et surtout, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à tester plus de gens Alors, on pourra l'évaluer aussi par les tests qu'on appelle de sérologie, ces tests et ces prises de sang qui nous permettent de mesurer les taux d'anticorps, ce qui nous permettra de juger quelle est au fond la réelle proportion de la population qui a été en contact avec le virus. On parle aussi du vaccin. En l'absence de vaccin, la maladie va continuer à progresser jusqu'à atteindre 60 à 70% de la population suisse, soit environ 6 millions de personnes. On est loin des 200 ou des 300 000 cas estimés à l'heure actuelle. Selon vous, qu'est-ce qui va arriver en premier ? Cette immunité un peu naturelle ou un vaccin efficace ? Alors, cette immunité naturelle, on l'appelle, c'est une terminologie qui est un petit peu bizarre parfois, on l'appelle immunité de troupeau. C'est le principe, c'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est le principe. Ça se répand et puis petit à petit, il y a une certaine proportion de la population qui atteint cette immunité. Mm-hmm. Alors, par comparaison aux autres familles de coronavirus, puisqu'on a déjà, on vit déjà avec 4 autres familles de coronavirus. Pas 18, c'est pas le 19e alors. Non, c'est la 5e famille. Okay. Et les autres 4 premières familles, on sait qu'à partir de l'âge de 20 ans, pratiquement 99% des adultes ont des anticorps, donc ont été en contact avec le virus. Mm-hmm. Donc on postule que dans quelques années, parce que c'est en nombre d'années qu'il faut parler, eh bien de nouveau, la majorité de la population aura des anticorps contre ce coronavirus. Et ce 60% dont on parle, c'est la proportion de population qu'il faut atteindre pour avoir cette immunité de troupeau qui fait que le virus ne se promène pratiquement plus, si vous voulez. Parler du futur, dans un portrait de vous, publié cette semaine par le quotidien 24 heures, vous affirmez qu'on pourra un jour recommencer à se faire la bise. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va réussir à passer outre ce traumatisme? Et si oui, quand? Oui, je pense. Parce que je pense que retourner à une vie cordiale, normale, se serrer la main, se faire la bise, bien entendu, c'est important. Je pense qu'une fois que l'immunité de troupeau aura atteint environ 50%, de ce moment-là, on pourra reprendre des activités tout à fait normales, rapprochées, comme on le dit. Et puis, vous me parliez des vaccins tout à l'heure. Alors, la différence entre le temps qu'il faudra pour obtenir cette immunité de troupeau et la genèse, finalement, d'un vaccin. Un vaccin, ça prend au mieux une année très souvent 18 mois, puis parfois, on n'y arrive pas. Là, je pense qu'on y arrivera dans un délai raisonnable, mais probablement de 18 mois environ. Il y a beaucoup de gens le laboratoire qui travaille là-dessus, il y a aussi, j'imagine, pas mal d'argent à se faire pour ceux qui vont réussir en premier. Il y a énormément de laboratoires, en effet, qui travaillent sur le vaccin. On vous voit partout en ce moment, Didier Pittet, notamment chez Darius Rochebain. Enfin, le jour où vous allez disparaître des écrans, on va se dire « Ouf, la crise est enfin terminée !» Mais on ne sait pas grand-chose de vous. Alors, pour combler cette lacune, voici votre portrait. Il est signé Fred Vallet. Cher professeur Didier Pittet, vous êtes né en 1957 comme un certain Michel Simès. Sauf qu'au lieu d'avoir la chance d'animer des émissions débiles en prime time avec Adriana Carambeu, vous devez vous coltiner Darius Rochebain 112 fois par semaine et même que parfois, c'est compliqué. Darius, je ne comprends pas la question. Un père électricien et une mère au foyer, vous parvenez à vous fabriquer une immense carrière médicale, mais rien n'était gagné d'avance avec une jeunesse garnie maladroitement de scoutisme ou d'animation de colonies de vacances.
Vous avez même failli devenir prêtre. Vous pouvez être sûr que votre troisième pilier et vos amoureuses vous remercient d'avoir préféré guérir que bénir. Je n'ai que peu de temps à perdre dans les tâches bassement administratives, mais je crois me souvenir que l'année dernière, ça devait faire de l'ordre de... Sexapile, franchise et gentillesse ont fait de vous le médecin qu'on rêve aujourd'hui d'avoir sous le coude pour qu'il nous rassure à chaque petit bobo. Surtout qu'après votre master en épidémiologie et santé publique à l'université d'Iowa, vous avez très vite pris votre pied à vous occuper de nos mains. Surtout qu'en popularisant l'utilisation du gel hydroalcoolique dans le monde entier et en organisant le don du brevet à l'EMS pour éviter que les pharmas s'en frottent les mains, près de 2 milliards de francs vous sont ainsi passés sous le masque. Oui, vous voyez, je ne vole personne. Un emploi du temps chargé, mais qui ne vous a pas empêché de concevoir 6 gamins avec 2 femmes différentes et de vous lever à 4h30 du mat comme un commandeur de l'ordre de l'Empire britannique que vous êtes. Et même pas moyen de décompresser le soir avec un petit rouge ou un petit cigare, puisque votre hygiène de vie est largement plus stricte que le confinement national. Grâce à vous, on sait maintenant qu'on ne doit pas laver nos légumes au lance-flammes, que le virus ne s'attrape pas en lisant des fake news sur son balcon, et qu'il faut être plus volontiers prudent qu'alarmiste. Mais dites, docteur Mamour, vous qui êtes l'un des plus proches conseillers du Conseil fédéral, nos 7 sages font-ils du bon boulot depuis le début de cette pandémie ? Alors, je vous le demande pas en anglais, mais en français, est-ce que vous avez l'impression que les autorités ont fait les choses bien jusque maintenant ? Écoutez, je pense que les autorités helvétiques, oui, ont fait du très bon travail. Ils écoutent bien vos ordres. Ça, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'ils sont vraiment au fait. Mm. Et je crois qu'on a réussi en Suisse à expliquer à la population qu'il fallait se comporter de manière appropriée. J'espère que ça va continuer parce qu'on n'est pas au bout. Il y a la population qui se pose beaucoup de questions à propos de cette pandémie. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose maintenant de lui donner la parole et de répondre en direct à ses interrogations. Ça vous va ? Volontiers, oui. Magnifique. Alors, on a un premier téléspectateur en ligne, je crois. Allô, allô, est-ce que vous nous entendez ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Achille à Lutry. Bonsoir, Achille. Bonsoir, je suis graphiste et oui. Je porte donc la barbe pour faire comme tout le monde. Oui. J'ai également plusieurs tatouages. Or, j'ai lu que ce n'était pas une très bonne idée d'avoir une barbe en termes d'hygiène. Est-ce que, monsieur le professeur, vous me conseillez de la raser ? Alors écoutez, non, pour ce qui est de la barbe, vous pouvez la conserver, c'est bien de la nettoyer probablement de temps en temps. Je le fais tous les jours, oui. Si vous étiez soignant, par contre, ça peut être plus compliqué parce qu'un soignant, quand il met ses masques spéciaux qu'on doit utiliser pour être en contact avec les patients, qu'on puisse vraiment avoir une parfaite imperméabilité, il convient de se raser. Donc ça veut dire que les soignants ne peuvent pas être à la mode. Voilà. Exactement. Et donc vous ne pouvez pas non plus changer de vous réorienter si jamais, Achille. Vous allez devoir rester graphiste. Mais c'est un très beau métier. Merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Merci pour vos émissions. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelqu'un d'autre ? Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Varona Conte. Bonsoir, Varona Conte. Bonsoir, je suis une personne à risque. J'évite donc d'aller faire les courses. Mm-hmm. Et il se trouve que j'ai bientôt plus d'alcool pour tenir le coup. Mm-hmm. Par contre, il me reste pas mal de gel hydroalcoolique. Alors, je voulais savoir si je pouvais le boire à la place. Ah, eh ben, je vais l'essayer. Alors non, c'est pas une bonne idée du tout. C'est vrai ? Parce que, voilà, ce gel hydroalcoolique contient évidemment de l'alcool, parfois de l'alcool isopropylique qui ne se boit pas. Ça sent un peu le kirsch quand même, c'est vrai. Hein. Et parfois de l'alcool éthylique, mais il est mélangé avec de la glycérine ou d'autres produits pour protection des mains, de l'oxyde, un certain oxyde pour protéger au fond de la stérilisation des produits. Qu'est-ce que risque Varon à compter ? Alors il risque une intoxication dont on se rappellera, mais... Évidemment. Un peu comme avec du vin vaudois, monsieur. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai lu quelque part qu'en Russie, ça leur arrivait de le boire, ce gel. Ah, alors vous êtes très bien informé, oui, parce qu'au début de notre stratégie mondiale de l'Organisation mondiale de la santé, lorsqu'on a donné finalement cette formule, on s'est aperçu qu'ils en consommaient 20 à 30 fois ce que nous attendions. En Russie ? Oui. Et du coup, vous avez trouvé la réponse. Et du coup, on a compris qu'au lieu de le mettre sur les mains, ils en mettaient un peu de côté pour d'autres raisons. Du coup, on a dû ajouter du diméthylkétone dans le produit, de manière à ce qu'ils ne puissent plus le boire. C'est quelque chose qui vous fait vomir. Mais non, donc ça, c'est parfaitement véridique. C'est un vomitif. Vous avez eu votre réponse, Varona Conte ? Oui, merci. Je vais. Faut pas faire ça. Je vais plutôt me tourner vers la drogue. Bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Oui, bonsoir. Ah, faut parler moins fort. Bonsoir, c'est Perret Jacqueline à Sainte-Croix. Bonsoir, madame. Tout d'abord, merci pour vos émissions. Je vous remercie de les regarder. Voilà, j'ai une question. Qu'est-ce qu'un virus ? Oui, c'est une bonne question. Un virus... Si possible, assez brièvement. Oui, oui, oui. En fait, pour être très simple,
il y a les bactéries, les virus et les champignons. Pour la faire simple, il y a encore les parasites. Donc, mais les disons, entre les bactéries et les virus... Ouais, bactéries, c'est un petit truc qui vient se mettre, qui infecte. Et qui vit par soi-même, n'est-ce pas ? Tandis que le virus, il a besoin d'être dans une cellule. C'est une sorte de parasite. Mm-hmm. Sans cellule, le virus ne survit pas. Voilà la différence entre un virus et une bactérie. Il lui faut une cellule pour se répliquer et pour survivre. C'est tout petit. C'est tout petit, tout et petit. Et puis ça peut causer un bordel mondial. Et un coronavirus, alors. Alors c'est quoi la différence? Une couronne, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un virus qui, quand on le regarde avec un certain microscope spécial, a une forme de couronne, donc on l'a appelé corona. C'est un virus royal. Voilà, ça va, Madame Jacqueline, vous avez eu votre réponse? C'est gentil. C'est super. Encore merci pour vos émissions, je retourne vers mon tigre. Ça marche, merci, madame. La suite avec... Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Surchat, à Arconvilliers. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On dit qu'il faut se laver les mains le plus souvent possible, mais il paraît qu'il y a une méthode particulière pour que ça soit efficace. Est-ce que vous pourriez nous montrer, s'il vous plaît? Oui, alors... Il y a deux façons de se laver les mains. Laver les mains avec de l'eau et du savon. Alors là, je n'ai pas de lavabo, mais ça marche très bien sur le coronavirus. Ce qui marche aussi, c'est d'utiliser ces... solution pour friction hydroalcoolique. Alors, vous en avez une aussi, on peut le faire ensemble. Ouais, allez-y, montrez-nous. On fait ensemble. On prend un peu de produit, on remplit la paume de la main avec ce produit. Ouais. Et puis après, on fait comme ça. Donc, le bout des doigts. Le bout des doigts, le bout des doigts. Ouais. Et puis ensuite, on fait comme ça. Ouais. On fait les interphalangiennes, si vous voulez. Ok, faisons les interphalangiennes. Voilà, comme ça, comme ça. Voilà, faites aussi ça à la maison, M. Surchat. Oui, je suis. On fait les pouces, on pousse. Et puis voilà, puis une fois que les mains sont sèches, elles sont propres. C'est propre. Voilà. Et puis on peut se gratter le nez. Voilà, ou autre chose, si vous voulez. J'ai plus autre chose. Au revoir, M. Surchat. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore quelques... Oui, on me dit que oui, Julien Nicole qui est en régie. On vous écoute. Oui, bonsoir, c'est monsieur Chalet à Boitin. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez parler un peu plus loin de votre combiné, si vous... Comme ça? Ouais, à peu près. Alors, j'ai une question. Dis donc, Pitet, on n'arrête pas de voir votre gueule partout en ce moment. Avouez-le, vous la kiffez, cette pandémie? Oui ou non? Écoutez, c'est un défi important et pour tout le monde. Ça vous fait faire de la télévision? Ça fait partie de mon métier, donc voilà, je fais mon métier. Donc non, pas spécialement, M. Chollet. C'est gentil! C'est gentil à vous d'avoir appelé. Mon épouse la kiffe un peu moins. C'est vrai? Je peux comprendre. Et vos six enfants? Avec le confinement et les enfants à la maison. La suite, avec monsieur ou madame, allô? Oui, bonsoir, c'est Christophe Studer à Orbe. Bonsoir, monsieur, ça va? Oui, ça va. J'ai arrêté de fumer il y a un mois. Oui. J'étais à 3 paquets par jour. Oui. Or, je viens d'apprendre qu'il n'y a aucun fumeur intubé aux soins intensifs parce qu'apparemment la nicotine combattrait le virus. Attendez, je voulais savoir, est-ce que vous me conseillez de recommencer à fumer ou est-ce que je devrais plutôt commencer à vapoter, professeur? Vous avez lu ça sur Facebook, c'est vrai? C'est une bonne question. Ah, écoutez, il y a une étude qui est parue de 5 études différentes et qui a mis tout ça ensemble. Ouais. Environ 1400 malades. Mm-hmm. Sur ces 1400, 300 étaient très malades. Ouais. Et parmi ce qu'on appelle les facteurs de risque, ce qui fait que finalement, vous risquez de mourir, quand on regarde ceux qui étaient tabagiques, ils ont un risque qui est légèrement plus augmenté que les autres, mais avec une différence qui n'est pas très significative pour l'instant. Donc ça fait dire que probablement, ils ne sont pas à un risque exagéré de mourir. Mais rassurons-nous, il n'y a aucune raison de commencer à fumer pour se protéger du coronavirus, au contraire. Monsieur Studer, il faut essayer de ne pas recommencer et de ne pas vous mettre à la vapeur. Ça va, vous êtes toujours là? Oui. Ok. Bonne soirée. Voilà, on va prendre encore deux auditeurs, je crois. Enfin, deux téléspectateurs. Ah, mais c'est quoi ces vieux réflexes de radio? Oui, allô? Bonsoir, c'est Garance à Brezol. Je suis infirmière au CHUV. Bonsoir. Je voulais demander au professeur Pitet s'il pensait qu'après cette crise, il serait de bon ton d'augmenter les dépenses de santé et de revaloriser la profession d'infirmière. Ça se dit beaucoup ces derniers jours, oui. Alors, écoutez, je pense, mais comment? Je pense que ce qu'on apprend beaucoup aussi, c'est l'importance de la santé publique. Oui. Donc, c'est vrai qu'avoir une bonne santé publique, ça nous a permis d'avoir une première vague qui n'était pas trop importante sur les hôpitaux. Et puis, c'est vrai que d'avoir des personnes qui sont motivées par leur travail est un phénomène extrêmement important.
De là à revoir toutes les grilles salariales, ça n'est évidemment pas mon domaine. Mais il y a en tout cas, plein de choses à faire. En gros, vous encouragez les Suisses à voter à gauche aux prochaines élections, c'est ça? Écoutez, non, j'encourage les Suisses à faire cette belle profession. Si vous êtes motivés, allez-y, c'est une profession magnifique et nous avons besoin de très bons personnels de santé et de très bonnes infirmières. J'ai entendu dans le portrait que M. Pittet avait 6 enfants de 2 lits différents. Je voulais lui dire que s'il a encore faim, je ne suis pas encore mère et j'ai les mains très propres. Mais pas que les mains d'ailleurs. Merci Madame Abrezol. Je laisse mon numéro 1. Oui, vous pouvez laisser au standard, on fera suivre. Un dernier appel qu'on prend en direct. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est monsieur Inapnit Abur. Bonsoir, monsieur. J'ai vu sur l'Internet une vidéo d'un spécialiste mondial en infectiologie et en importation d'ananas, un certain monsieur Pascal Borel. Oui. Une vidéo où il dit qu'on va tous se faire infecter, puis réinfecter, et que ça nous fera saigner des poumons et avoir des arrêts cardiaques à répétition. Je voulais savoir pourquoi. Oui, alors malheureusement, ce monsieur Pascal Borel, en effet, a fait cette vidéo qui a finalement terrorisé beaucoup de monde. Malheureusement, ce qui est dans cette vidéo est faux. Et ce monsieur est en effet un importeur d'ananas. Il dit s'intéresser à la médecine et il s'est formé en autodidacte. Je crois que son papa était médecin. J'ai fait revoir un tout petit peu son curriculum. Je déplore et je regrette ce genre de vidéo et ce genre de personnes. C'est l'occasion de rappeler à tout le monde qu'il faut faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on entend et à ce qu'on voit sur les réseaux. Et quoi, se fier aux informations officielles, c'est peut-être le... Je crois que c'est important. Vous avez vu ces derniers temps que... Écoutez, Darius, c'est un excellent journaliste. Il y en a beaucoup d'autres, y compris à la radio, à la télévision. Mais je crois qu'effectivement, ce type de fausses informations, maquillées comme des vraies, nous occupe énormément. Et malheureusement, elles sont délétères la plupart du temps. Voilà, c'est noté. Merci, monsieur Pillet. Au revoir, bonne monsieur. Soirée. Voilà, je pars. Vous partez, à bientôt. Et merci à toutes et à tous de nous avoir appelés et à vous, professeur, d'y avoir répondu à toutes ces questions. Vous restez encore avec nous. Une question pour vous maintenant de ma part. Est-ce qu'il vous arrive de vous faire livrer de la nourriture à domicile? Alors écoutez, c'est probable, mais malheureusement, j'ai des... Bon, vous savez pas ? Mon épouse s'en occupe et je dois être... En tout cas, elle ces derniers temps... Des fois, elle vous fait des trucs en vous disant « c'est super bon », puis elle vous fait croire qu'elle l'a cuisiné elle-même, c'est ça ? Non, en général, elle cuisine très bien, mais c'est vrai qu'au cours de ces trois derniers mois, je n'ai pas été amené ni à faire les courses, ni à préparer le repas. Et... Ouais. Mais vous nourrissez bien. On a dit vous dormez peu, mais vous nourrissez bien. Oui, je me nourris bien. Le temps. Oui, tout à fait. Bien, vous nourrissez. Tant mieux. Parce qu'on a besoin de vous encore.